fin de toute chair est venue. Car les hommes ont rempli la terre de corruption et de violence. Ainsi je les détruirai. Je ferai venir un déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair qui a l'esprit de vie en soi sous les cieux. Tout ce qui vit sur terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Fais-toi une arche de bois de gaffer. Peut-être as-tu l'intention de la porter, je parie qu'elle pèse pas lourd. Tu as oublié d'installer un mât et des voiles. Ça n'a rien d'un bateau et le gouvernail. Tu n'as rien oublié d'autre? L'ancre, par exemple. Où est l'ancre? Ah, tu n'es qu'un vieux fou, Noé. Tu troubles l'esprit des pauvres gens avec tes stupides histoires de ton dieu, Jéhovah, et sa colère. Ça suffit. Ton dieu, Jéhovah, n'est rien pour nous. Pourquoi devrions-nous bouleverser nos vies pour lui faire plaisir? Notre Dieu te punira pour ton arrogance. Bon, ça suffit. Il mérite une bonne leçon. On va la lui donner tout de suite. Dieu m'a parlé. Il dit, je ferai venir un déluge d'eau sur toute la terre. L'homme disparaîtra et je détruirai tout ce qui est sur terre. Toute vie disparaîtra de la surface de la terre. Mais aussi, j'établirai une alliance avec toi, que tu puisses être sauvé. Mes frères, acceptez-vous de vous repentir. Demandez au vrai Dieu de vous pardonner et honorez son nom béni. Thank you.
presse. Dépêchez-vous. Par l'avant. Vite.
ouvrez. Au bout de 150 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite dans l'arche. Et il lâcha un corbeau qui ne revint pas. Puis il lâcha un pigeon pour voir si les eaux étaient diminuées sur la terre. Mais le pigeon, ne trouvant pas sur quoi se poser, retourna à lui dans l'arche, car les eaux étaient sur toute la terre. Et quand il eut attendu encore 7 autres jours, il lâcha encore le pigeon hors de l'arche, et sur le soir, le pigeon revint à lui. Et il avait dans son bec une feuille d'olivier qu'il avait arrachée. Et Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : croissez et multipliez, et remplissez la terre. Nous y sommes. Et bientôt, Sarah, ma chérie, tu verras. Nous vivrons dans l'abondance et sans le moindre souci. Tire-toi, toi et tes chevaux. Et pourquoi? Tu vas comprendre. Thank you.
Abraham, un de tes bergers se bagarre avec le berger de Lot. Eh bien, Abraham, est-ce encore un cadeau de ton Dieu pour éviter que l'on s'ennuie? Le berger de Lot est responsable. Et toi? Combien de fois as-tu encouragé la bagarre au lieu d'intervenir pour l'arrêter? Il voulait abreuver son troupeau avant qu'on fasse boire le nôtre. Et alors? En plus, il prétend que votre neveu Lot est le véritable maître. Que se passe-t-il? Deux de nos bergers se sont battus. Chacun d'eux voulait passer en premier. Jamais nous ne devrions nous disputer ainsi. Car nous sommes tous frères. Lot, nous sommes au terme de notre voyage. Cette grande contrée va nous appartenir. Choisis la terre qui te convient. Et séparons-nous en paix. Chercher de l'eau. C'est un des hommes de Lot. Dans la vallée de Sidin, les armées venues de l'Est nous ont vaincus et ont mis à sac Sodome et Gomorre. Et Lot, est-il en vie? Ils l'ont capturé. Ainsi que tous les habitants de Sodome. Les Élamites les emmènent vers le nord. Sont nombreux et bien armés. Ils sont fatigués. On devrait en profiter et attaquer. Attendons la tombée de la nuit. Thank you.
camp. Vient de naître et son nom sera Isaac. Il arriva après ces choses que Dieu éprouva la foi d'Abraham. Attache bien ce bois et ne fais pas de bruit. Tiens-le bien. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija pour l'offrir là en holocauste. Sur une des montagnes que je te dirai. Qu'a-t-il, mon fils? Nous avons le bois et le feu, mais où est la bête qu'on doit sacrifier? Dieu se pourvoira lui-même de la bête pour le sacrifice.
Abraham, ne mets pas ta main sur l'enfant et ne lui fais point de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu n'as point épargné ton fils, ton unique pour moi. Abraham désirait que son fils prenne épouse parmi les filles de son propre pays. Ainsi, il y dépêcha Éléazar, et celui-ci trouva Rebecca, de la tribu de Nahor, le propre frère d'Abraham, et la ramena pour Isaac. Rebecca lui donna deux fils, Ésaü et Jacob. Nous sommes là, Rebecca. Très bien. Va immédiatement préparer ce que je t'ai demandé. Et veille à ce que personne ne te voie. Jacob, je dois te parler. Le moment est venu de prendre de grandes décisions. Ce matin, ton père a longuement parlé avec ton frère Ésaü. Je les ai écoutés. J'ai entendu ton père lui demander de rapporter du gibier et le lui préparer comme il aime. Ton père a dit qu'il donnerait à Ésaü la bénédiction de Dieu. Ton père est un vieillard au seuil de la mort. Obéis-moi. Et fais ce que je te demande. Va à la bergerie. Choisis deux des meilleurs chevreaux et ramène-les. Je les préparerai comme une venaison aux épices. Et tu la porteras à ton père qui en mangera et te bénira à la place d'Ésaü. Pourquoi devrais-je lui jouer un tel tour? Voudrais-tu désobéir à ton Dieu et refuser sa volonté? Non. Certes non. Avant que toi et Ésaü ne viennent au monde, j'ai entendu une voix, une prophétie concernant vos deux destins. Je m'en souviens encore. Deux grandes nations sont dans ton ventre, et deux peuples seront créés de la semence d'Isaac. Le peuple du premier servira le second, car Jacob recevra la bénédiction paternelle. Tu es mon fils préféré, Jacob. Ésaü t'a déjà vendu son droit d'aînesse, n'est-ce pas? Mais ce n'était qu'une plaisanterie. Ésaü avait faim et demandait des lentilles. Je me suis amusé. À ses dépens, en exigeant son droit d'aînesse. Ésaü méprisait son droit, puisqu'il le céda pour une soupe aux lentilles. On plaisantait. Non! C'est Dieu qui te guidait. C'est lui qui parlait à travers toi, ainsi qu'à travers la réponse de ton frère. Ta voix est celle de Jacob. Mais ses mains sont les mains d'Ésaü. Es-tu vraiment mon fils Ésaü? Je le suis. Embrasse-moi, Ésaü. Embrasse-moi que je te bénisse. Tu es bien Ésaü, car ton odeur est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée des cieux pour tes champs, qu'elle fertilise tes jardins et t'assure une abondance de froment et le meilleur des vins. Que les peuples se prosternent et que ta lignée croisse et s'étende à travers le monde. Tes frères serviront dans ta maison. Les fils de ta mère reconnaîtront ton autorité et tu seras leur seigneur. Quiconque te maudira sera maudit, et quiconque te bénira sera béni.
Et Isaac envoya Jacob en Padan-Aram auprès de la tribu de Laban, afin qu'il prît une femme de ce pays-là. Au coucher du soleil, il prit une pierre et en fit son chevet. Là, il fit un songe et il vit une échelle dont le haut touchait jusqu'aux cieux. Dieu se tenait sur l'échelle et Dieu lui parla. Mon Dieu, tu es avec moi. Je n'osais plus y croire. Dans ce lieu, c'est ici, la maison de Dieu. Si tu es avec moi et me gardes en ce voyage, si j'ai du pain pour me nourrir, des habits pour me vêtir, et si je retourne à la maison de mon père, là où j'ai dressé la pierre, je bâtirai un temple à ta gloire. Et de tout ce qui me sera donné, je promets qu'une belle part sera réservée... Si j'avais voulu te tuer, tu serais déjà mort. Est-ce que tu crois vraiment que je t'ai manqué? Je n'ai encore jamais manqué ma cible. Deux fois tu m'as possédé. Tu as volé mes droits de premier-né. Mais tu me l'as vendu. Tu ne peux pas m'en vouloir. Je mourrais de faim et tu en as profité. Tu m'as volé la bénédiction de mon père. La bénédiction qui m'appartenait. Je m'en vais, Ésaü. Tu es le chef maintenant. Quant à moi, je pars. N'en reviens jamais. Que je ne te revoie jamais. C'est tout ce que j'ai à te dire. Va-t'en, ne reviens jamais. Attends, attends, un moment, Ésaü. Ne dis pas de choses pareilles. Dieu m'est apparu dans un rêve cette nuit. J'ai vu une échelle dont le haut montait aux cieux. Et sur celle-ci, des anges descendaient et montaient. Et tout en haut, se tenait Dieu. Il m'a dit... Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Je te donnerai, à toi et à ta postérité, la terre où tu dors. Et tes enfants et leur descendance s'étendra sur toute la terre. Le peuple élu, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que j'ai dit. Jacob, si jamais tu reviens ici, tu sauras ce que c'est que se battre comme un homme, car je serai là et nous nous battrons jusqu'à la mort. Dirige-toi vers l'ouest, et demain tu arriveras au puits où ton oncle abreuve les animaux de ses troupeaux. Merci. Puissiez-vous faire de bonnes affaires en récompense de votre générosité. Je l'espère. Pourvu qu'on n'ait pas à marchander avec ton oncle. Au revoir. Au revoir.
Mes frères, d'où êtes-vous? De Charan. Connaissez-vous Laban, fils de Nahor? Nous le connaissons bien. Ah, j'espère qu'il est en bonne santé. Il est en parfaite santé, il va très bien. Ah. Voudriez-vous m'emmener chez lui, ou bien m'indiquer où il habite? Regardez, voici sa fille Rachel. Elle vous accompagnera chez son père. Il n'y en a plus. Je n'ai rien bu depuis des heures. Je suis un étranger. Puis-je avoir de l'eau? Il y en a plein, là. Mais il vous faudra patienter. Pourquoi patienter? Le soleil est haut. Pourquoi ne pas abreuver les moutons? Expliquez-moi donc. Si vous croyez avoir la force pour soulever la dalle, allez-y. On attend les autres bergers. Ça prend 12 hommes pour soulever ça. Trouvez-moi des rondins et on y arrivera. Pourquoi? Et pour qui te prends-tu, toi? Allez-y, faites donc ce qu'il demande. Je suis curieuse de voir ça. Pas vous? Ah! Plaçons le premier rondin là. Vas-y, coince-le là. Là, entre le rebord du puits et la dalle. Attends, aide-le, toi. Prends ça. Et pousse tant que tu peux. C'est ça. Très bien. Encore plus. Et pousse. Pousse fort. Vous glissez les bâtons sous la dalle. Bien. Très bien. Trouve un autre rondin. Place-le là. Qu'est-ce que tu espères? Te glisser sous la dalle? Il se prend peut-être pour un lézard. Bon, ici, ça va. Il en faut un là. Ici. Là. Poussez. Allez-y. C'est ça. Enfonce-le. Plus. Encore. Ça y est, presque. Parfait. Reculez. C'est bon, je vous remercie. Cherchez vos seaux.
Nous sommes presque des frères, le même sang, la même tribu. Dieu bénit mon humble demeure par ta présence. Jacob, j'ai appris comment tu as réussi à déplacer la dalle avec l'aide de 3 hommes seulement. C'est incroyable. Aurais-tu des pouvoirs magiques? Pas du tout, Laban. C'est le Seigneur qui m'a inspiré. Il s'est servi de bâton, père. Laisse-moi tranquille. Tu nous empestes, idiot. T'es servi de bâton, dis-tu? Le Seigneur devrait être plus généreux de ses inspirations. Ça nous économiserait du temps et du travail. Vite, Léa, apporte du pain et du lait frais à ton cousin. Qu'il se rafraîchisse un peu et calme aussi sa faim. Vous devez être fatigué aussi. Avez-vous décidé de rester quelque temps avec nous, mon neveu? Je resterai aussi longtemps que vous me le permettrez. Quoi? Et bien sûr. Si vous êtes d'accord, je travaillerai pour vous sans exiger de salaire, Laban. Oh, mon cher neveu, tu es un invité chez moi. Ma demeure est humble. Nous sommes des gens simples. Je ne suis qu'un pauvre berger, comme tu as pu le voir. Ici, tout le monde travaille. Je n'ai que quelques serviteurs, et Dieu sait que j'ai besoin d'aide. J'accepte que tu restes. Jacob, tu seras traité comme mes propres fils. Les voilà. Ils ne rechignent pas à la besogne. Hein? À tout à l'heure, Rachel. J'ai une idée. Dis-moi ce que tu en penses. Et vous, là-haut, ouvrez la première chute. Ce système nous permettra de remplir les baquets. Et ce ruisseau inutilisé, ne servant à rien, au lieu de se perdre dans des méandres souterrains, devient une précieuse réserve d'eau pour vos troupeaux. Merveilleux. Ces pauvres animaux n'auront plus à faire tout ce chemin. L'eau vient jusqu'au pâturage. Bien. Bien. Écoute-moi, Jacob. Vos brebis reposées profiteront et donneront plus de lait. Et leur viande sera plus tendre, leur laine plus épaisse et plus forte. Une autre inspiration du Seigneur, Jacob. C'est en effet une inspiration de Dieu. Écoute-moi, Jacob. Te voir travailler pour rien, enfin, comment te dire, tu comprends ce que je veux dire, ça ne me semble pas juste. Ce n'est pas parce que tu es mon neveu que tu dois travailler ici pour rien. Non, non. Tu es là depuis un mois environ, et il me semble qu'on devrait régler la question de ton salaire. Je vous servirai aussi longtemps que vous voudrez. Mais ensuite, j'aimerais épouser votre fille. Tu aimes Rachel, hein? Combien de temps devras-tu me servir en échange de ma fille, Rachel?
7 ans. Bon. Ça ne te paraît pas raisonnable, Jacob? Tu prends là mon plus beau joyau. Oh, ma fille la plus belle, ma douce Rachel. Oui. Alors. Bien, c'est entendu. Regardez, regardez ces fils que le ciel m'a donnés, de vrais hommes. Vous faites un concours ou quoi? Hein? Jacob, je suis certain que le Seigneur voulait bénir mon humble demeure par ta présence. Je suis tout triste à l'idée de perdre ma fille que j'aime de tout mon cœur. Mais content qu'elle parte avec toi, mon neveu préféré. Jacob le sage, Jacob le juste. Venez, amis, buvons à sa santé et à son bonheur. À mon neveu Jacob. Tu me prends mon bien le plus cher. Le dîner est presque terminé, je t'en remercie. Je ne voudrais pas vous brusquer, mais je n'ai pas encore vu ma promise. Oh, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, Jacob. Hé, vous là-bas, les filles d'honneur, faites venir ma fille, Jacob, s'impatient. Ma belle et douce fille. Amenez-la! Ma chère femme, je me suis acquitté de ma dette envers ton père, mais je sais que tu vaux bien plus que le prix que j'ai payé à ton père pour t'avoir, pour enfin être heureux. Je t'aime à la folie, Rachel. Je n'en pouvais plus de t'attendre. Mais pourtant, si c'était à refaire, je le referais. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous me jouez un tour là-bas? Non, Jacob. Mais vous m'aviez promis votre fille cadette, Rachel. La loi exige que la fille aînée soit mariée avant la cadette. Tu aurais dû le savoir. Mais si tu n'en veux pas, je te demanderai de patienter jusqu'à ce qu'elle trouve un mari. Et dès qu'elle en aura trouvé un, je serais heureux de te voir épouser Rachel. Mais regarde cette pauvre créature.
Regarde cette pauvre Léa. Je crains que ta patience ne soit mise à dure épreuve. Se pourrait que tu doives attendre très, très longtemps. Bien sûr, à moins que... Je vais te faire une proposition, Jacob. Tu pourrais épouser mon aînée Léa, et après votre lune de miel, tu auras Rachel. Mais pour cela, il te faudra travailler encore 7 ans. Eh bien, qu'en dis-tu, Jacob? Laban, je suis d'accord. Parce que c'est la volonté de Dieu. Mon beau petit bébé. On est fort, hein? Ah, mes enfants, j'ai de bonnes nouvelles. Je viens de réaliser une très bonne affaire. Les caravaniers sont de riches clients. De rues clients. Mais Laban s'est marchandé. la petite canaille, la petite canaille. J'aime ce bruit, hein? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, n'est-ce pas? De l'or. De l'or. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais lorsque tu seras plus grand, tu comprendras. Laban. Laban, ma dette envers toi est payée. Depuis longtemps. Ce qui veut dire? Je suis décidé à retourner chez moi. Je te demande de me laisser partir avec mes femmes et mes enfants. Et tout ce qui nous appartient. Enfin, je n'ai donc pas su trouver grâce auprès de toi. Tu sais comme je t'ai servi. Tu sais que tes troupeaux ont doublé sous ma garde. Mon travail t'a fait prospérer et tu es devenu un homme très riche. Tu as bien reconnu que l'Éternel t'a béni aussitôt que j'ai mis le pied chez toi. J'en conviens. Oui, mais dis-moi le salaire que tu exiges de moi. Quand pourrais-je travailler pour ma propre famille? Laban, j'ai 12 enfants. Combien veux-tu que je te donne? Tu ne me donneras rien. Il existe une autre façon. Je garderai et m'occuperai de tes troupeaux quelque temps encore, comme je l'ai toujours fait. Et plus tard, je mettrai à part pour moi tous les agneaux tachetés et picotés, ainsi que les roues. Et de même, je prendrai les chèvres tachetées. Et ce sera mon salaire. Ces animaux et les petits qu'ils feront seront à moi. D'accord, Jacob. Comme tu voudras. Je ne comprends pas. Il n'y a presque pas de bêtes tachetées parmi les agneaux. De plus, elles ne valent rien. Laissez-moi vous expliquer. La nuit dernière, un ange du Seigneur m'est apparu en rêve. Jacob, m'a-t-il dit, regarde ce qui est arrivé au troupeau de Laban. Ces bêtes sont toutes tachetées et picotées. Dieu Tout-Puissant a vu comment Laban te traite. Est-ce cela l'œuvre de Dieu? Les moutons changeront de couleur? Et pourquoi pas, Léa? Dieu qui peut tout, peut aussi faire ça. Et si les petits ne ressemblaient pas aux parents? Attendez, soyez patiente. Comme prédit, tous les animaux mirent bas des petits tachetés et Jacob, à la tête d'un énorme troupeau, quitta le pays. 3 jours plus tard... Ouvrez l'œil, mes fils, ouvrez l'œil! Les journaliers rempliront leurs poches de votre laine, si vous ne les surveillez pas. Regardez devant comme derrière, à droite comme à gauche. Où étais-tu? Réponds. Mais qu'est-ce qu'il y a? Où est Jacob? Mais répondons! Ils sont partis, les bêtes, les tentes, ses femmes, les enfants, serviteurs, vers l'ouest. Il a tout emporté, dis-tu? Oui.
Oh, qu'il soit maudit. Oh, il m'a tout volé. C'est un voleur, un voleur. Qu'as-tu, père? Et Jacob retourna au pays de Canaan, la terre d'Isaac, son père. Nous allons enterrer tous ces dieux étrangers. Purifions-nous, mes frères. Et lorsque nous arriverons à la terre promise, alors nous construirons un autel au véritable Dieu. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Enterrez-les. Nous allons nous former en deux groupes. Pour plus de sécurité, le deuxième groupe attendra que le premier ait traversé. Bon, allez-y. Si Ésaü attaque le premier groupe sur l'autre berge, le second pourra se défendre ici. Donc tu crois vraiment que ton frère a l'intention de nous attaquer? Pour l'instant, tout semble l'indiquer. Il s'approche avec une armée de 400 hommes. Mais tu lui as envoyé 200 animaux, plus du foin pour un an. Ça ne suffit pas? Je ne sais pas, Rachel. Dépêche-toi. Rattrape les autres. J'attendrai ici que les deux groupes aient traversé et je te rejoins. N'aie pas peur. Vas-y, ils t'attendent. En avant! Ton pays, au lieu de ta naissance... Et je te bénirai. Je ne mérite pas toutes tes faveurs. Ni la confiance que tu as placée en moi. J'étais seul lorsque j'ai passé le Jourdain il y a longtemps. Et je reviens avec cette multitude. Je t'en prie, délivre-moi de la main de mon frère Ésaü. Épargne ce peuple. J'ai peur. Je crains qu'il ne vienne et qu'il ne mette à mort mère et enfant. Je crains pour eux, Seigneur. Cependant, lorsque tu m'as béni, tu m'as dit, Seigneur, ta postérité deviendra comme le sable de la mer qu'on ne saurait compter. Tiens ta promesse, ô Seigneur. Épargne-nous. Épargne-nous et aide-nous. Qui êtes-vous? Viens ici et je te lirai. Thank you.
m'as-tu frappé? Et toi, tu ne sais pas te défendre? Viens, debout. Et défends-toi. Pourquoi dois-je te combattre? Qui es-tu? Si tu refuses de te battre, je n'ai rien à te dire. Ainsi soit-il. Que veux-tu? Tu n'es même pas essoufflé? Tu ne te bats pas comme un homme? Tu ne fais aucun effort? Je m'en vais à présent. Le jour va bientôt se lever. Non, ne pars pas. Pas encore. Pas avant de m'avoir dit qui tu es. Mais qui es-tu? Réponds. Au nom de Dieu, réponds. Bénissez-moi. Ne partez pas sans me donner votre bénédiction. Dis-moi, quel est ton nom? Jacob. Désormais, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et ne crains aucun homme.
Tu m'étonnes, Jacob. Tu ne sembles pas avoir peur. Je suis revenu par la volonté de Dieu. Je suis resté avec Laban, le frère de Rebecca, notre mère, et j'ai dû demeurer chez lui toutes ces années. Pourquoi m'as-tu envoyé tous ces animaux? C'est pour trouver grâce auprès de toi. Tu peux les garder. J'en ai plus qu'il m'en faut. Je t'en supplie. J'ai travaillé pendant 20 ans. Et par la grâce de Dieu, j'ai des biens en abondance. Mais j'ai été mis à rude épreuve, mon frère, pour expier la perfidie de mes actions. Et j'ai souffert 1000 tourments. À présent, par la miséricorde de Dieu, mes péchés m'ont été pardonnés. Accepte mes présents et montre-moi par cela que toi aussi tu m'absous de mes péchés. Laisse-moi venir avec toi, mon frère. Mes hommes te feront bonne escorte. Non. Je te remercie de ta bonté. Comme tu le vois, il y a des enfants dans la caravane, des moutons, des agneaux et des veaux non sevrés. Si je les pousse un jour de plus, beaucoup mourront en route. Ésaü, pars en avant. Je te suivrai lentement, au pas des enfants et des animaux les plus faibles. Je te rejoindrai plus tard à Séhir. Laisse-moi au moins te donner une petite escorte. Ce n'est pas la peine, Ésaü. Il ne peut rien nous arriver de mal dorénavant, puisque nous sommes réconciliés. Il sera fait comme tu le veux. Je pars pour Séhir. Dieu est avec nous. À Séhir. À Séhir. Pour toi, Rachel, et pour l'enfant qui va bientôt naître. Je n'avais pas peur, Jacob. Je n'ai jamais vu un homme avec autant de courage. Allons-y. Venez. Allons-nous les suivre à Séhir? Non. Nous nous dirigerons vers l'ouest. Dieu Tout-Puissant nous guide. Notre fils verra le jour sur la terre promise. Ma terre. Et nous le nommerons Benjamin, parce qu'il a été béni par Dieu.